Parole de Dieu. Donc sentons-nous à l'aise. Sentons-nous à l'aise d'échanger, de partager. Voilà ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Et sans plus tarder, nous allons commencer. Voilà, comme vous le savez tous, nous parlons de bâtir notre corps pour la mission. Nous sommes en mission. Ça, c'est un élément que nous allons toujours répéter. Nous sommes en mission. Et plaise à Dieu que chacun sache qu'il est en mission sur cette terre. Nous devons savoir, en tant qu'Église aussi, nous sommes en mission. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis à ce qu'il y ait le centre évangélique là-bas en Bruxelles, ici. C'est pour une mission bien déterminée, bien définie. Et chacun de nous, où il se retrouve, quel que soit là où il habite, doit savoir qu'il est en mission. Donc pour bien accomplir cette mission, nous avons besoin de ses corps. Voilà pourquoi nous en parlons mercredi après mercredi, comment prendre soin de ses corps. Et sans plus tarder, nous allons faire un petit rappel, tout petit rappel. Donc la fois dernière, nous sommes à Pesanti sur la dépression. Nous avons longuement parlé de la dépression, nous avons parlé de l'estime de soi, parce qu'on constate que ces deux éléments sont importants pour nous permettre d'être des personnes accomplies, des personnes équilibrées, des personnes déterminées. Il a fallu pour nous connaître quel est le niveau de notre estime de soi. Et nous avons aussi parlé de la dépression. Nous avons vu que oui, la dépression peut toucher aussi les enfants de Dieu. Nous avons pris l'exemple d'Élie où nous sommes tous apesantis à comprendre qu'il était aussi passé par ces moments. Mais la bonne nouvelle, c'est que, qu'importe ces situations qui peuvent nous arriver, nous ne sommes pas seuls, Dieu est avec nous. Amen, amen. Voilà, nous avons tous remarqué et constaté que Élie, malgré la situation dans laquelle il se retrouvait, Dieu était là à son secours. Nous avons un secours qui ne manquera jamais. Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Nous devons nous attendre au secours du Très-Haut, qu'importe notre situation, qu'importe ce que les gens peuvent nous dire. Et j'aime bien le brigand à la croix. En fait, il était pratiquement, comme on peut dire, à la fin de sa vie. En fait, il n'avait plus d'autre issue de secours. Il était condamné par les hommes, condamné par la justice, lui-même dans sa conscience se reconnaissait être meurtrier. Il se reconnaissait lui-même. Donc il n'avait pas d'issue comme on peut dire. Mais il avait à sa droite, il avait à son côté quelqu'un qui pouvait tout changer dans sa vie. Et plaise à Dieu, il avait simplement compris que celui qui est à mes côtés peut tout changer. Et la Bible nous démontre combien. Pendant que les hommes pouvaient s'imaginer, si à cette époque-là, il y avait des hommes très spirituels, ils pouvaient se dire, lui, vraiment, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais Dieu a fait grâce. Il s'est retrouvé dans le paradis avec Jésus. Comme pour dire, bien-aimé, qu'importe ce qui arrive tout autour de nous, attendons nos secours qui vient du Seigneur. Alors,
Au-delà de cela, nous avons parlé du tatouage. On a vraiment décortiqué le tatouage. On a pris des passages de Lévitique qui a si bien démontré que nous ne sommes pas permis de faire forme d'incision sur notre corps, mettre je ne sais quoi. Et on a dit quelque chose de deux choses qui étaient essentielles. On a dit que beaucoup de gens font certaines choses simplement à cause de l'influence. Et on a remarqué que beaucoup font des tatouages, font tout ce qui se passe simplement à cause de l'influence. Et on s'est bien dit, Romains 12:2 nous a rappelé de ne vous conformer pas au siècle présent. Nous ne sommes pas appelés, nous, à vivre dans le conformisme. Non. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons plutôt discerner tout ce qui nous est proposé. Nous devons avoir cette capacité de discerner. J'ai beaucoup aimé, même ce matin, le frère Jérémy, en dirigeant l'équipe matinale, a insisté sur le discernement. Donc, bien aimé, nous devons faire très attention à cela. Alors, on s'est encore dit une chose, que les risques zéro n'existent pas. Amen, amen. Je vais bien dire ça. Les risques zéro n'existent pas. Vous savez, il y a de ces maladies qu'on attrape dans la communauté, dans notre milieu naturel où nous vivons. Et je peux prendre l'exemple de la pneumonie. C'est vrai, bon, permettez, c'est mon domaine, donc je peux caler là-bas. La pneumonie, on parle de pneumonie communautaire, c'est-à-dire qu'on peut l'attraper dans la communauté. Mais il y a aussi de ces choses qu'on attrape à l'hôpital. Voilà pourquoi on parle du concept des nosocomiales. C'est-à-dire que ce qui est, on vient l'attraper à l'hôpital. Vous comprenez? C'est-à-dire que même là où on suppose que tout doit être parfait, il y a des choses aussi qu'on peut attraper là-bas. Voilà pourquoi je parle que les risques zéro n'existent pas. Amen, amen. C'est-à-dire qu'il y a de ces endroits où tu peux attraper quelque chose. Donc nous devons nous dire, alors lorsqu'on nous parle, oui, tatouage, on va utiliser les encres, on va contrôler, on va faire tout ceci, il n'y aura pas de complications, rien. Attention, les risques zéro n'existent pas. Donc nous devons être prudents même dans tout ce que nous faisons. Amen, amen. Alors, on a dit deuxième élément, beaucoup de gens le font parce que simplement, ils ont une crise identitaire. Pourquoi je suis quelqu'un de timide? Je me dis, tout le monde me reconnaître timide, mais écoute, j'ai besoin que les gens sachent aussi que je ne suis pas timide, je suis quelqu'un d'extraverti. Alors, je vais aller faire un dessin qui émonte l'extraversation. Ça dit que je suis quelqu'un d'extraverti. Ou bien, je suis quelqu'un de faible, je vais mettre un lion. Voilà. Pourquoi? Pour déterminer que j'ai une autre forme, voilà, je ne suis pas que ce que les gens pensent, je suis aussi ceci. Les psychologues ont trouvé que la grande majorité aussi des gens qui faisaient tatouage, c'était simplement par crise identitaire. Alors, ils voulaient au travers du tatouage montrer une autre facette de ce qu'ils sont. Alors, nous sommes dix frères et sœurs, sachant que nous sommes fils de Dieu. Amen, amen. Notre identité est en Christ et Jésus. Lorsque nous recevons Christ, nous devenons enfants de Dieu. Les choses passées, tout ce qui était ancien est passé. Et d'autres choses vont arriver dans notre vie. Nous devenons des nouvelles créatures. Nous, frères et sœurs, notre identité se retrouve en Christ. Alors nous nous sommes dit que oui, les diables des fois peuvent faire ça. Ils passent par des personnes qui sont influentes dans le monde. Les stars, tout ce qu'on suit là. Ils influencent tellement les choses que quand tu vois la personne qu'on aime aller mettre des tatous sur son corps, tout le monde veut suivre. Parce qu'on sait qu'ils influencent un grand nombre de personnes. Et j'ai suivi une prédicatrice de l'Évangile, voilà, qui est allée, soi-disant, se faire tatouer. J'étais quand même fort étonné. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas une autre façon de présenter Christ qu'en allant se tatouer le nom de Jésus? N'y a-t-il pas une autre façon de procéder? Est-ce que c'est la seule voie? Donc réfléchissons à cela. Amen, amen. Alors, on est descendu, on a parlé des... Nous devons prendre soin de notre corps, on a parlé de l'hydroquinone, on a tous vu les conséquences de l'hydroquinone, on a dit qu'il ne faut pas... En fait, des fois, l'homme veut compliquer ce que Dieu a fait. Le Seigneur sait pourquoi il a mis dans notre corps les mélanocytes qui doivent produire la mélanine, parce que la mélanine aide, protège toutes ces personnes qui s'exposent au soleil par rapport aux ultraviolets. Alors, il ne faut pas des fois aller créer les dérèglements simplement parce qu'on se considère peut-être ne pas être bien. Alors, on a dit Psaume 139, le 14e verset, on peut le mettre.
S'il vous plaît, psaume 139, 14e verset. Je veux qu'on lise là. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Alléluia. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. On s'est dit, frères et sœurs, nous devons reconnaître que nous sommes l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Amen, amen. Hein? Ce n'est pas un homme qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a créé. Et puis pire encore, nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc nous devons bénir Dieu de la peau qu'il nous a donnée. Hein, de la taille que Dieu t'a donnée. Hein, comme la façon dont Dieu t'a conçu. Bénis Dieu pour cela. Lorsque nous reconnaissons que nous sommes les créatures de Dieu, que Dieu nous a créés tels que nous sommes, frères et sœurs, nous serons heureux. N'allons pas nous laisser aller appliquer l'hydroquinone et détruire notre peau et demain commencer à avoir des cancers des peaux, des choses compliquées, compliquées. Quelqu'un qui était à chocolat, on retrouve qu'il devient violet. On ne comprend plus rien. Simplement pourquoi? Parce qu'on a voulu se laisser influencer. On a parlé du contentement. Se contenter de ce qu'on est et de se contenter de ce qu'on a. Apparemment, il y a des gens qui meurent plus avant même le temps, parce que simplement ils refusent de se contenter de ce qu'ils sont ou bien de ce qu'ils sont. Nous devons être prudents par rapport à ces choses. Alors nous sommes descendus et nous avons commencé à parler de l'addiction. Alors si vous pouvez me donner les slides sur l'addiction. Alors la question était ouverte, est-ce qu'un chrétien peut-il prendre le vin? Je crois que on a eu un bon débat, un bon temps d'échange. C'était tellement riche. Alors aujourd'hui, parce qu'on avait déjà débattu, on va conclure là-dessus. Alors on va prendre un passage, Romains chapitre 7, le 15e verset, s'il vous plaît. On va lire 3-4 passages. Comme c'est l'étude biblique, bon, qui trouve, lit entre nous. Celui qui trouve va nous lire déjà Romains chapitre 7, le 15e verset. Amen, amen. Nous parlons de l'addiction. Et lorsque vous regardez ces passages, vous sentez, je vais juste prendre la partie de la fin, il dit, « Venez, je vais chercher du vin et nous boirons des liqueurs fortes. Nous en ferons autant demain et beaucoup plus encore. » Ça dit que derrière cette personne, pas seulement qui s'est dit que je veux boire aujourd'hui, mais je vais boire demain et je boirai encore après demain. Une habitude, c'est-à-dire qu'il se lance dans un processus où il est allé d'aller crescendo. Il est en train de croître en fait dans sa façon de consommer. Il s'est dit pas simplement je veux consommer aujourd'hui. Mais il dit écoute, c'est déjà un processus qui est parti. Je ne veux pas que m'arrêter aujourd'hui, mais demain je veux le faire. Et le lendemain, et il y a encore beaucoup plus. Voilà pourquoi nous parlons de l'addiction. Il y a certaines choses que nous pouvons faire et que nous pouvons nous arrêter. Mais il y a certaines choses lorsqu'on commence à faire qu'on ne sait plus s'arrêter. Faisons très attention si on ne tombe pas dans l'addiction. Faisons très attention. Et ces passages nous démontrent clairement que celui qui parle là, c'est déjà quelqu'un qui a déjà un pied dans l'addiction. Non seulement qui présente une situation où il peut s'arrêter, mais il présente une situation où il va aller en profondeur. Où il ne va pas s'arrêter. Où il va continuer d'évoluer au fait. Et c'est cela le danger, c'est cela le risque. Lorsque nous nous mettons à faire certaines choses et que nous ne savons plus nous contrôler, faisons très attention de ne pas tomber dans l'addiction. Et l'addiction, c'est peut-être pas seulement par rapport à l'alcool, mais il y a beaucoup de situations où vous allez trouver des personnes qui sont addictes. Nous pouvons trouver les jeux. Il y a des gens pour les jeux, voilà, comment, le loto, hein, ce qu'on appelle, c'est comme ça le terme, hein. Voilà, l'auto-casino, tout ce que vous voulez. Ça dit qu'il ne peut pas passer un jour sans pourtant jouer. Il peut jouer aujourd'hui, demain il va jouer, le lendemain il va jouer. Et s'il ne joue pas, ça ne va pas. S'il ne le fait pas, il se trouve vraiment qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Il se retrouve être obsédé par le fait simplement de faire la chose.
Et c'est ça le danger, bien-aimé, que nous courons en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes appelés à être prudents dans tout ce que nous faisons. Et les passages que nous avons lus nous a simplement démontré l'apôtre Paul qui parle, qui démontre à suffisance que ce qu'il veut faire, ce qu'il ne veut pas faire, mais il continue à le faire en fait. Bien qu'ayant la volonté, désirant s'arrêter, mais il n'arrive pas à s'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est comme une emprise qui arrive. Et lorsqu'on parle de l'alcool, personne ne sait bien contrôler quand est-ce qu'il va tomber dans l'addiction ou pas. C'est ça le problème avec l'alcool. Donc on ne sait pas vraiment contrôler. Qui a-t-il la capacité de se dire que non, quand je prends ceci, je suis capable de m'arrêter. Je suis capable de ne pas dépasser cette limite. Et c'est là la difficulté. Et cette difficulté, bien aimé, nous le rencontrons tout autour de nous. Et nous pouvons prendre l'exemple de Noé. Genèse chapitre 9, le 20 au 21e verset. Je ne sais pas si quelqu'un nous trouve, nous pouvons lire là-dessus aussi. Noé devint cultivateur et y planta une vigne. Il but du vin, s'enivra et s'exposa nu à l'intérieur de sa tente. Il but du vin et s'enivra. Sûrement quand Noé avait commencé, il avait peut-être pris un verre. Il a pris deux verres. Il s'est dit, ah mais c'est bon. Hein? Ah, cette saison, la vigne, vraiment, Dieu nous a bénis. Troisième, quatrième, cinquième. Et puis, quand il put s'y prêner, il disait, ah vraiment, Dieu est bon. Mais il ne savait pas qu'il était en train de s'enivrer. Et il est arrivé à un niveau donné où il ne savait plus se contrôler. Il s'est mis à avoir un comportement qui n'était plus normal. Mais simplement à cause du vin. Voilà la limite ou les dangers. Savons-nous, parce que nous savons déjà en avance, si je prends un, je veux m'arrêter là. Si je prends deux, je veux m'arrêter là. C'est ça le piège. D'où la sagesse nous appelle à nous connaître, à mieux nous connaître nous-mêmes et à savoir comment nous entretenir ou comment nous conduire au regard du vin. Alléluia. Oui. Nous devons nous connaître d'abord nous-mêmes. Il y a des certaines personnes, lorsqu'ils parlent du vin, ils disent que moi, j'en prends que un. Je prends que un. Juste un, c'est bon. Il y a d'autres qui disent, moi, je peux aller à deux ou trois. Mais aussi, les niveaux de l'ivresse dépend de chacun de nous. Je vais bien dire. Quelqu'un d'autre peut prendre juste un verre, deux verres. Pour lui, il se retrouve déjà ivre. N'est-ce pas? Quelqu'un d'autre peut prendre quatre verres, cinq verres avant de goûter à l'ivresse. Et pas ça dit quelqu'un d'autre un casier. Voilà. D'autres peut-être des casiers avant de devenir ivre. Vous voyez? Donc, on évolue tous à des degrés différents. Voilà pourquoi je parle que chacun de nous doit se connaître. Mais est-ce que nous aurons toujours la capacité de connaître nos limites? De savoir que non, je ne peux pas franchir cette ligne. C'est cela la réflexion. Est-ce que j'aurai toujours la capacité de me maîtriser, de dire que non, moi, je ne peux pas franchir deux verres, je ne peux pas franchir? Est-ce que nous aurons toujours cette capacité? Parce que vous savez, par moment, quelqu'un d'autre peut se mettre à boire simplement parce qu'il y a une pression psychologique. D'habitude, il prend son verre de vin à table, normal. Mais ce jour-là, il y a une pression psychologique, il y a un problème patent, il y a un stress, il y a une angoisse, il y a une situation qui tracasse, qui dérange. Il dit, bon, aujourd'hui quand même, bof, je prends deux, mais je vais quand même prendre trois. Parce que j'ai besoin quand même de penser à autre chose. N'est-ce pas? Et il va se retrouver être dans une situation où il ne sait plus se contrôler. Voilà pourquoi il nous faut de la sagesse. Il faudrait nous connaître. Et il faudrait mettre des garde-fous par rapport à notre marche et à notre conduite sur cette terre. Amen, amen. Et lorsque nous lisons
1 Corinthiens chapitre 10, le verset, le 31e verset. Quelqu'un peut nous lire cela, s'il vous plaît. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen, Église. Même lorsque je veux prendre ma bouteille de vin, je ne sais pas, mon verre de vin, faites tout pour la gloire de Dieu. Lorsque je me mettrai en train de manger, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Je crois que ça doit être notre leitmotiv. Ça doit être quelque chose que nous devons toujours intégrer dans tout ce que nous faisons. Où que nous nous trouvons, que nous soyons dans l'assemblée, que nous soyons, je ne sais, à la fête, que je sois, je ne sais, à la maison, parce que ça sera maintenant les festivités de fin d'année. Ah, un peu de champagne quand même, voilà. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais faites tout pour la gloire de Dieu. Non, mais c'est juste le vin des tables, faites tout pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas dans quelles circonstances vous allez vous retrouver, mais faites tout pour la gloire de Dieu. Et la parole de Dieu est claire, que vous mangez, que vous buvez, quoi que vous fassiez, pensez toujours, je le fais pour la gloire de Dieu. Et si le troisième verre que je suis en train de prendre est pour la gloire de Dieu, tant mieux. J'ai parlé indirectement. Si le troisième verre que je suis en train de prendre est pour la gloire de Dieu, tant mieux. Mais en prenant le quatrième verre, quand je me rends compte que ce n'est plus pour la gloire de Dieu, ah, sache d'arrêter. En d'autres termes, c'est dire quoi? Nous ne sommes pas dans l'interdit, mais nous sommes dans la prise de conscience. Nous sommes dans le sens de responsabilité en tant qu'enfants de Dieu. Amen, amen. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans un sens de responsabilité. Au regard de ce que nous faisons, de nos actes, de nos gestes, faisons tout pour la gloire de Dieu. Tu sais que je fais pour la gloire de Dieu, amen. Mais si dans ce que je fais, je me rends compte que là, là Dieu ne tire pas sa gloire, arrête-toi. Alléluia. Si dans ce que tu fais, tu comprends que Dieu ne tire point sa gloire dans ce que tu fais, arrête-toi. Personne ne te viendra te mettre la corde au cou parce que tu n'as pas pris ses verres. Personne ne viendra te pendre parce que tu n'as pas pris. Personne ne viendra te pendre. Du reste, tu es libre. Amen, amen. Nous devons reconnaître cela, frères et sœurs. Et si on peut me remettre le passage que nous avons lu de Romains 7, 15. Là, nous voyons clairement que l'apôtre Paul est en train de souffrir dans son corps. Au regard d'une situation. Et nous voyons qu'il cherche à se détacher de ce qui se passe. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Mais je fais ce que je hais. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il est, mais qu'il est en train de faire. Nous pouvons les substituer à beaucoup de situations dans notre vie. Je ne veux pas voler, mais je vole. Je ne veux pas fumer, mais je me retrouve en train de fumer. Oh là, mon fils. Je ne veux pas fumer, mais je me retrouve en train de fumer. Je veux arrêter. Mais je me retrouve déjà être embobiné par cela. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une forme d'addiction. Amen, amen. Lorsqu'on lit clairement ces passages, on peut bien démontrer que l'apôtre Paul se retrouve dans une situation où il y a quelque chose qui domine. Quelque chose pour lequel il n'a pas les déçus. En fait, c'est cela même le sens de l'addiction. C'est-à-dire, on se retrouve en train de faire quelque chose qu'on peut lâcher, mais on ne sait pas lâcher. On veut s'en détacher, mais on ne sait pas s'en détacher. Et parmi les choses qui peuvent vous placer dans cette condition, il y a aussi l'alcool. Alléluia. Il y a l'alcool. Vous allez trouver beaucoup de personnes qui ont du mal à s'en détacher. D'où soyons prudents, frères et sœurs. Soyons prudents dans tout ce que nous pouvons faire. Soyons prudents dans tout ce que nous avons dans notre vie. Soyons très prudents. Là, nous avons un peu circonscrit les cadres de l'addiction. Mais lorsqu'on parle du vin en soi, frères et sœurs, mais de quoi est composé le vin?
J'aimerais un peu que nous puissions pas nous cibler sur autre chose, mais nous allons aller vers le vin rouge, le verre des tables, que nous voyons tout le temps en Belgique ici. Parce que vraiment en Belgique, le vin rouge, c'est vraiment un verre normal. Hein. Donc sur la table, on le positionne. Bon, contextualisons les choses. Parce qu'au moins, ça, c'est quand même à notre portée. Déjà dans la parole de Dieu, on nous parle de l'alcool. Si vous pouvez voir Luc chapitre 10, le 34 verset, la Bible fait mention de ses bienfaits. Amen, amen, on peut prendre ces passages, Luc chapitre 10, 34 verset. La parole de Dieu fait mention de cela. Là, on voit même l'alcool. Voilà, quand il s'approcha et bandant ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Amen, amen. Nous voyons que ça a été utilisé au regard de cette personne qui avait des problèmes sur sa peau. Et le passage qui a été évoqué précédemment, voilà, Timothée avec Paul qui lui conseille de prendre un peu de vin. Ça dit qu'il y a aussi des bienfaits. Alléluia. On ne va pas dire catégoriquement les vins, c'est mauvais. Non, 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 non. Ça aussi des bienfaits. Ça aussi des bienfaits. Alors, il est composé de quoi? Il est composé de l'eau, de l'alcool, des minéraux et des vitamines. Ah, il y a les vitamines dans le vin. Oui. Ah! Là, quelqu'un qui m'écoute quelque part, il y a aussi des vitamines après tout. Il y a des vitamines après tout. Oui, il y a aussi des vitamines à l'intérieur. Il y a des minéraux. Il y a aussi de l'eau. Donc ça aussi des bienfaits. Alors, beaucoup de gens aussi peuvent le prendre. Pourquoi? Parce que ça peut aider dans beaucoup de choses. Même au travers de la digestion, ça aide. Parce que ça favorise, vous connaissez tous le concept des probiotiques. Ça favorise cette production-là aussi. Même au niveau, je peux dire cardiovasculaire, ça a aussi un rôle à jouer. Je ne vais pas trop m'apesantir dans ça. pour ne pas bouiller certaines personnes. Ils vont dire, tu as entendu, on a dit ça là-bas, cardiovasculaire. Voilà. Non, mais ça aussi des bienfaits. Soyons équilibrés. Amen. Ça a des bienfaits. L'alcool, le vin a aussi des bienfaits. Et par moments, on peut aussi l'utiliser pour aider certaines personnes dans certaines conditions. Mais ce qui est essentiel à reconnaître, c'est quoi? C'est que le problème avec l'alcool, c'est au regard même de la quantité que nous consommons. Voilà pourquoi j'ai dit que quelque part, on ne sait pas connaître la limite. Personne n'a un critère qui peut mettre en place pour se dire, moi je ne m'arrêter qu'à ça. Je ne veux jamais dépasser ça. C'est ça le problème. Donc nous sommes exposés au fait. Lorsque nous avons lu les passages d'Ésaïe, vous avez vous-même vu que la personne dit, je veux boire aujourd'hui, demain je veux encore boire, les dents, demain je ferai encore plus. Ça dit que c'est quand même une porte ouverte. Et nous devons être assez sérieux, assez responsables en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Au regard de ces pièges qui est ouvert au-devant de nous. Mais ce qui est important à considérer, lorsque nous cessons de voir les hommes des sciences et tout ce qui va avec, ce qui est quand même permis ou autorisé par rapport à l'alcoolémie, c'est-à-dire que nous devons avoir un taux qui est inférieur à 0,30 grammes par litre dans notre corps. Et pour ceux qui font les tests et les permis de conduire et qu'on sort, quand on teste l'alcoolémie, je crois qu'on se base sur certaines valeurs de référence. Pour vous coller une amende ou ne pas vous coller une amende. Parce qu'on sait que c'est un danger. En fonction du taux qu'on a dans notre sang. Alors je voudrais qu'on prenne un passage, 1 Corinthiens chapitre 6, le 12e verset. Il y a beaucoup de passages là. 6, 12. En Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Amen, amen. Tout m'est permis. Je peux prendre le vin. Oui, tu peux. Mais tout n'est pas utile. C'est quoi l'utilité pour toi? Vous voyez? Mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Lorsque je commence à tomber sous une servitude, sous une forme de contrainte, donc aujourd'hui, si je mange là, je ne prends pas ça, c'est un problème. Non, là, il y a problème. Là, il y a problème. Pourquoi? Parce que j'ai développé une forme d'accoutumance. Donc quand je mange qu'il n'y a pas ça, donc il y a un problème. Ou bien que j'arrive à la maison, je sais où je pose ma bouteille de vin. Je ne connais pas trop le terme. Il y a des rouges Bordeaux, il y a des Alsace, des choses comme ça. Je vais vous faire rire, j'étais à la collation. Ouais, nous étions à la collation de la
de notre sœur. De notre sœur Jocelyne. Et il y a eu un monsieur qui est venu me voir. J'avais aidé son épouse. Voilà, par rapport à quelques travaux comme ça, il vient. C'est un autochtone. Hein? Et il vient, je vois, il débarque, il dit Monsieur Rémi, je voulais te dire merci pour tout ce que tu as fait pour mon épouse. Alors il se présente avec une bouteille de vin. Et il est présenté tellement bien. Ça vient de l'Alsace. C'est original. Il parlait. Et moi, j'étais là, j'ai dit, je regardais la bouteille de vin, je le regardais. J'ai dit, mais les gars, là, il ne sait pas que moi, dans ces choses, je suis zéro. Donc, pour lui, tellement qu'il me présentait la bouteille, donc ça avait vraiment de la valeur. Il est présenté tellement bien que je me disais, ah, donc ça, là, c'est vraiment quelque chose qui le touchait à cœur. Donc, il devait vraiment exprimer sa gratitude, quoi. Et du coup, j'étais en mode, je regardais, j'ai dit, mais vraiment, je suis nul dans ça. Alors, pour ne pas les frustrer aussi, pour ne pas dire, je ne prends pas, j'ai dit, bon, c'est quand même un cadeau. J'ai dit, ah, ok, merci, j'ai quand même pris. Ouais. Donc, culturellement, il y a des gens comme ça, le vin, c'est quelque chose, voilà. Mais moi c'est, je suis zéro dans ça. Ce n'est pas mon truc. Donc, quand tu ne fais pas cette chose-là, donc, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Attention, là, nous commençons à être asservis. Nous devons faire très attention dans notre façon de vivre, bien-aimé. Et cela nous démontre, bien-aimé, que nous tombons quelque part dans l'addiction lorsqu'on ne sait pas se détacher de certaines choses. Alors, j'ai pris quelques critères. Comment reconnaître que je suis dans l'addiction? Il y a un psychiatre qui a mis un critère pour reconnaître qu'on commence à tomber dans l'addiction. Il s'agit de Goldman. Il a présenté quelques éléments. Je vais citer les éléments et ça peut vous aider. Ou ça peut vous aider au travail des personnes qui sont tout autour de vous. On ne parle pas que de l'alcool, mais on parle de beaucoup de choses. Alors Goldman présente ceci, dit, pour ne pas rester dans la Bible, sinon on dit qu'il n'y a que la Bible, mais on va ressortir de la Bible, on va en prendre un peu ce que la science est en train de démontrer. Mais laissez-moi vous dire que la science soutient ce que la Bible présente. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous savez, pendant longtemps, j'ai fait des études pour comprendre certains principes bibliques qui ont trait à la science. Je vais vous donner par exemple un exemple. La Bible dit que s'il faut circoncire un enfant, il faut le faire le 8e jour. Vous avez tous lu ça, non? Moi, je suis résilient, mais pourquoi en fait? C'est simplement, dans la physiologie, en fait, les facteurs de coagulation. Les facteurs de coagulation que nous avons dans notre corps, fibrinogène, calécréine, proaxélérine, je peux commencer à tout ce que nous avons, en fait, prennent un pic à partir du 8e jour. Vous voyez simplement que Dieu, quand il donnait ça, même les hommes qui écoutaient, peut-être ne savaient pas. Dieu omniscient. Amen, amen. Donc la science ne fait que soutenir ce que la parole de Dieu dit. Voilà pourquoi les personnes qui viennent par moi pour trouver qu'il y a divergence entre la science et la parole de Dieu, j'ai dit que non, mais ils ne comprennent pas en fait. Alors ce qui se passe là, c'est que cet homme donne quelques principes. Il dit par exemple ceci. Comment savoir que je suis en train de tomber dans l'addiction en fait? Lorsque je me retrouve être mal à l'aise quand je ne fais pas la chose. Lorsque je dois faire cette chose et je me trouve devenir mal à l'aise, devenir irritable, parce que je n'ai pas fait la chose, attention, c'est déjà un des éléments de l'addiction. Je vais paraphraser pour ne pas lire tout. Ou bien lorsque je me retrouve, quand j'ai fait cette chose-là, j'ai vraiment tous les plaisirs possibles. Je me trouve être soulagé. Quand tu fais la chose, tu te retrouves être soulagé. Tu te sens heureux quand tu fais cette chose-là. Et quand tu ne fais pas cette chose-là, tu te sens comme si ça n'allait pas dans ta vie. C'est comme s'il y avait un blocus. C'est comme si tu n'étais plus la même personne. C'est un des éléments de l'addiction. Perpétuation du comportement, bien que le sujet sache qu'il cause ou aggrave un problème persistant récurrent. C'est comme ce que l'apôtre Paul demande. C'est-à-dire que tu fais une chose, bien que tu sais que cette chose que tu fais a des complications graves sur ta vie, mais tu continues à les faire. L'addiction.
Et tu te perpétues dans cela. Je dois arrêter, mais je continue, bien que je sache que ce n'est pas bon. On a conseillé, on m'a dit tout ce qu'on pouvait me dire. Laisse, on m'a donné les stratégies, mais moi je continue à les faire. Tout en sachant et en ayant bien connaissance des complications qu'il y aura. L'addiction. Amen, amen. Et l'exemple sont les gens. Quelqu'un qui a un peu d'argent, on lui dit, il ne faut pas aller jouer ces jeux, mais il y va quand même. Il prend même les salaires, il y va. Les salaires partent, il entre, il va en banque, il prend même pour sa femme, il y va encore. Il sait que, comme je suis en train de faire, je veux perdre le nécessaire pour survivre. Mais il continue. Voilà l'addiction, frères et sœurs. Tentative répétée pour réduire, contrôler ou abandonner les comportements, mais en vain. La personne prend toutes les tentatives, il fait tout ce qu'il peut faire, il met des stratégies pour abandonner, mais il n'y arrive pas. L'addiction. Alors vous pouvez le substituer à beaucoup de situations de notre vie. Pas qu'au vin, au jeu, la masturbation, la pornographie, le tabac, la drogue, même la nourriture. Même la nourriture. Tellement accro. Lâche, non. Non, mon frère, lâche. Non, il n'y a pas moyen. Tu es allé même, tu as pris la garde-robe, tu as, là où tu mets la moitié, tu as mis 3 cadenas. Tu as pris la clé, tu as caché. Tu as même mis des codes pour t'empêcher. Mais à un moment donné, quand ça arrive, tu n'en peux plus, tu vas même casser. On devient accro, l'addiction. Mais Christ est venu pour nous délivrer. Alléluia. Jésus-Christ est là pour nous affranchir, nous rendre libres de ces choses. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Alléluia. Christ est capable de nous en délivrer. Moi, j'ai vu des gens qui étaient addicts au tabac, addicts à la boisson, à l'alcool, qui étaient attachés. Mais à un moment donné, lorsqu'ils sont venus en Christ Jésus, ils ont prié, ils ont dit, Seigneur, aide-moi. Ils ne sont pas passés par des séances de psychothérapie. Ils ne sont pas passés par des séances, je ne sais pas, de voir des médecins, on va donner des traitements. Mais c'était un tout à coup. Celui qui entrait là, bien-aimé, était dans une situation où il ne pouvait pas se détacher de cela. Mais simplement, en rencontrant Jésus-Christ, il a été libéré. C'est possible, bien-aimé. Alors, je prévis une plage, frères et sœurs, pour quand même, parce qu'on parle de l'alcool, voyons au moins la quantité. Parce qu'on a parlé des 10 grammes, on a parlé des 0,3 grammes par litre. Voyons en la quantité. J'ai quand même pris un slide où j'ai projeté les proportions au regard de l'alcool. Vous savez, lorsqu'on prend, voilà, il y a un verre là-bas, il y a cette slide que vous voyez. Par moment, nous tous prenons les mêmes verres. Tu vas prendre la verre de bière, tu vas aller prendre le verre du vin. Mais la contenance et la contenance ou la capacité du verre et la quantité qu'on doit mettre équivaut au nombre de grammes que nous devons que la personne doit avoir. Vous voyez, lorsque vous prenez par exemple un simple verre de vin à 10 centilitres, ça vous donne déjà 10 grammes d'alcool pur dans le corps. Vous voyez, 10 grammes. Et lorsque vous prenez, maintenant vous vous dites que non, moi je ne vais pas prendre qu'un seul verre de vin, quoi. Je vais en prendre 2. Vous multipliez aussi par 2. Puis tu en prends 3, tu multiplies par 3. N'est-ce pas? C'est-à-dire pour un verre, j'ai 10 grammes. Pour 2 verres, j'aurai 20 grammes. Pour 3 verres, j'aurai 30 grammes. Non, moi j'arrive qu'à 40 grammes. Moi j'arrive qu'à 4 verres, c'est bon. Donc tu as déjà 40 grammes. Si vous prenez les whisky, 2,5 centilitres d'un whisky, du whisky, c'est donc déjà 10 grammes d'alcool. C'est 10 grammes d'alcool pur. Ouais. Si vous prenez la bière, verre de bière, 25 centilitres, vous en prenez 2, ça va vous donner 20 grammes d'alcool pur. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on nous monte le nombre de verres, au fur et à mesure, on cumule aussi les grammes d'alcool. Alléluia. Alors, d'autres personnes vont dire, moi, 2 suffit. Mais il faut savoir, les 2 suffit. Là, tu as multiplié le nombre de grammes. Et maintenant aussi, le taux d'alcoolémie dans notre corps, il est fonction aussi de notre stature, si je peux le dire ainsi. C'est très différent que nous soyons hommes ou femmes. Ça se calcule différemment. C'est-à-dire, en fonction du nombre de verres que tu prends et en fonction de ton poids,
on peut calculer le taux de grammes d'alcool qu'il y a dans ton corps. On se comprend bien. Bon, on ne va pas entrer dans les détails. Là, c'est dans la clinique. Alors, les messages pour donner ceci, frères et sœurs, c'est-à-dire, quelqu'un qui peut dire que moi, je ne prends que du vin rouge. Et celui qui a pris un verre de vin rouge, et celui qui a pris un verre de bière, tous ont produit 10 grammes. Nous voyons maintenant où nous arrivons. Tous ont produit 10 grammes. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence là-bas. Il n'y a pas de différence pour dire, par exemple, certaines personnes aiment atténuer, hein, parce que moi je prends le vin, c'est peut-être rien. Vous comprenez, ou bien moi je prends la bière, ou moi je prends juste le whisky. Non, non, non. C'est-à-dire, au regard de ce que tu prends, de la mesure que tu prends, tous produisent ou bien exposent la même quantité, la même proportion qui est 10 grammes. Alors, Yann, c'est là d'où je mets les conséquences de l'alcool, il y en a beaucoup. De la tête aux pieds, frères et sœurs, il y a des conséquences. Et la Bible aussi nous montre les conséquences qu'il y a eu. Nous voyons ce qu'a fait Noé. Nous voyons ce qui s'est passé avec Lot et ses filles. Alléluia. Nous voyons ce qui s'est passé avec Lot et ses filles. Genèse 19, 30 à 32, vous pouvez nous mettre ça s'il vous plaît. Donc il y a beaucoup de conséquences avec l'alcool de la tête aux pieds. Pour ceux qui se lancent dans cela, il y a des problèmes cardiaques qui peuvent arriver, il y a un désordre mental qui peut arriver, des problèmes digestifs qui peuvent arriver. La personne peut perdre les contrôles, les accidents, les traumatismes, tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup de complications qui peuvent arriver, mais prenons la parole de Dieu. Voilà. Lot quitta Tsoar pour hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux fils, car il craignait du reste à Tsoar pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Lot quitta, voilà, je suis où? L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tout le pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Amen, amen. Voyez-vous, la stratégie devait passer par le vin. Souvent, on lui a donné un verre, deux verres, trois verres, il ne savait plus se contrôler, il y a eu ce qu'il y a eu. Donc, bien aimé, l'alcool a beaucoup de conséquences. Donc, soyons vigilants, soyons prudents, soyons responsables et faisons tout pour la gloire de Dieu. Alors, nous allons prendre un deuxième point, toujours pour bâtir notre corps, le maquillage. Alors, qu'est-ce que nous pensons des maquillages? Je crois que l'auditoire est équilibré parce qu'il y a des mamans, il y a des sœurs, il y a des frères. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez des maquillages? Dites-moi un peu. Est-ce qu'une femme chrétienne peut-elle se maquiller? Est-ce qu'il y a des limites au maquillage? Les micros à vous. Qui va réagir? Ouais, est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'une femme chrétienne peut-elle se maquiller? Le maquillage, est-ce que c'est mauvais? C'est bien? C'est comment? Ou bien on aime le maquillage? Qui va prendre la parole? Maman Momol. Maman Momol va prendre la parole. Moi, en tout cas, personnellement, je pense que être présentable, c'est maquiller light. Je parle bien des light. Maman, expliquez light, c'est quoi? C'est-à-dire que pas trop, pas exagéré. Sinon, c'est ce trafic d'influence, on change de visage, on change tout. Moi, je pense qu'être présentable, maquillé light, comme j'ai dit, moi, j'ai dit toujours light. Light. Oh, oui, simplement, et voilà. Il ne faut pas exagérer. Atténuer. Ah, atténuer, bon, si vous voulez, bon, voilà. C'est pas mauvais, le maquillage, c'est bon. La question, qu'est-ce qu'on pense du maquillage? Les frères, les célibataires ne veulent pas parler pour ne pas avoir des problèmes. Non, mais pas. Oui, frère, prenez le micro. Qu'est-ce que vous pensez du maquillage? Frère Ramel, tu penses quoi? Non, je ne vais pas entrer dans ces domaines-là. Non, mais donne ton avis. Je pense que c'est un sujet, bon, je ne sais pas si je peux dire compliqué à débattre. Parce que si on doit. Personnellement, ton avis. Mon avis à moi. Ouais, sur le maquillage. Je pense pas que ce soit mauvais, mais voilà, tout en n'étant pas dans l'excès, quoi. Ouais. Un peu comme ce que maman Momo a dit. D'accord. Qui d'autre?
Le pasteur veut réagir. Je vais lire un passage biblique. Amen. Nous sommes dans Esther chapitre 2. Mm-hmm. Le verset, nous allons lire. La Bible dit ceci. Lorsque Vashti a été mis de côté, la Bible dit au verset 2, « Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi de jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des eunuques du roi et gardiens des femmes qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. » La Bible dit, cet avis eut l'approbation du roi, ils firent ainsi. Vous allez lire dans la suite, même lorsque Esther sera désignée, on lui donnera les choses nécessaires pour la toilette. Donc quand nous osons croire, qu'on parle aussi du maquillage. Donc non, c'est vrai que ce n'est pas écrit en noir sur blanc, mais quand on parle des choses nécessaires pour la toilette, on parle aussi des soins de beauté, ainsi de suite. Donc moi je pense que le maquillage n'est pas une mauvaise chose. Comme vous le dites, tout ce que nous faisons, faisons-le pour la gloire de Dieu. Amen. La manière dont je me maquille, il faudrait aussi que voilà, ça ne soit pas une pierre d'achoppement, que ça soit aussi une source d'édification. Donc c'est un peu ça. Oui, Reza et puis Pasteur. Moi, mon avis, c'est que le maquillage n'est pas forcément une mauvaise chose jusqu'au moment où on l'utilise pour cacher des complexes et qu'on n'arrive pas à s'accepter sans maquillage. C'est là que le maquillage devient une mauvaise chose. Donc, je pense qu'on rejoint un peu l'addiction aussi. Mais il y a des femmes qui ne s'acceptent pas sans maquillage, qui n'osent pas même sortir ou faire des courses sans maquillage. C'est là où aussi le maquillage peut être une mauvaise chose aussi. Ok. Oui, Pasteur. Je vais dans le même sens que le pasteur et le sœur Reza pour dire que le maquillage n'est pas une mauvaise chose, mais il faut savoir bien le faire. Et en plus de cela, il faut savoir aussi le faire en fonction aussi de sa peau. Parce qu'il ne faut pas faire les choses pour les faire, mais aussi il faut... De faire en fonction de sa peau. De sa peau. Précision. Oui, oui. Il faut le faire en fonction de sa peau. Parce que tout excès nuit, c'est aussi une addiction. J'ai vu une sœur. Cette sœur-là, pas ici, hein, c'est une chante. Elle ne peut pas sortir sans maquillage. Ok. Et même si les réseaux sociaux commencent à la qualifier, sœur maquillage et make-up. Ça devient une addiction. En fait, on doit faire des choses pour être présentable, comme le pasteur venait de donner le passage biblique, et non pour ne pas être ce que tu dois être pour devenir une autre personne. Merci. Une autre réaction, une dernière? Même les cils. Ben, c'est ça. Ça fait partie de tout ça. Non? Je vois des gens avec des choses comme ça. Ouais, parce que réagissez. Mais c'est, ça rentre dans la... Tu voulais parler? Ça, c'est mon point de vue. Oui. Je suis contre les cils. Ah. Comment est-ce que tu... C'est une façon de corriger Dieu. Ça, c'est selon moi. Dieu t'a donné ce qui est naturel. Toi, tu veux avoir ce qui est artificiel. Et on se pose la question, tu cherches quoi? Ça dit, tu veux dire, Dieu, tu ne m'as pas bien créé. Alors maintenant, les ongles artificiels. Ça, c'est encore un problème, pasteur. Ah. C'est encore un problème. Hein? Alors, les perruques. Non. En fait, moi, je suis toujours dans cette logique-là. On doit se contenter premièrement de ce que Dieu nous a donné et chercher à l'embellir. Et nous cherchons ce qui est artificiel. Un jour, nous chercherons aussi à avoir une tête artificielle. Ah, les sœurs ne réagissent pas. C'est Karel. Vous ne réagissez pas là. Tu as une question? Bon, on va prendre 1 Pierre chapitre 3. Regarde là-bas ta question. 1 Pierre chapitre 1 Pierre 3, 3, 4. Je vais aller rapidement avec ma gueule. La Bible dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on refait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu.
C'est vrai. Nous devons nous paraître comme nous avons dit avec Esther, nous devons faire tout pour être présentables. Mais n'oublions pas aussi la beauté intérieure. Amen, amen. Parce que par moments, nous sommes tellement plongés dans notre beauté extérieure que par moments, nous oublions que Dieu nous voit. Et le Seigneur a besoin de cette beauté intérieure. Certes, nous faisons les choses pour être voilà, présentables, accommodables dans notre monde de tous les jours. C'est une bonne chose. Mais n'oublions pas d'abord de mettre en évidence aussi notre beauté intérieure au regard de notre Seigneur. Alors, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir quelque part, il est parlé des phares. Nous pouvons prendre Ézéchiel 23, 38 à 44 pour ceux qui vont nous trouver. Au-delà de ce que nous avons dit avec Esther, nous pouvons voir Ézéchiel 23, 38 à 44. Ézéchiel 23, 38 à 44, vous nous mettre. Ouais, je pense que c'est ça. En moins que j'ai... Oui, voici encore ce qu'elles m'ont fait. Elles ont sué mon sanctuaire dans le même jour. Elles ont profané mes sabbats. Elles ont immolé leurs enfants à leur idole. Et elles sont allées le même jour dans mon sanctuaire pour le profaner. C'est là ce qu'elles ont fait dans ma maison. Et même elles ont fait chercher des hommes venant de loin. Elles leur ont envoyé des messagers. Et voici, ils sont venus pour eux. Tu t'es lavé. Tu as mis du fard à tes yeux. Tu t'es paré de tes ornements. Amen, amen. Et vous voyez bien, même la Bible fait mention. Et puis si vous lisez quelque part avec Jéhu et Jézabel, vous allez voir que lorsque Jéhu était en train d'entrer, Jézabel va aller, va se mettre du fard, il va s'apprêter, il va paraître devant la fenêtre. Mais malheureusement pour lui, Jéhu n'était pas laissé impressionner par sa beauté et il a été frappé. Par moment, oui, le maquillage, comme nous l'avons dit, certes, elle nous permet de nous présenter, mais le maquillage peut aussi attirer. Le maquillage peut aussi séduire. Amen, amen. Je me rappelle dans mon parcours, un peu dans l'œuvre de Dieu, un jour je reçois la Kinshasa, nous recevons une jeune fille qui arrive, qui entre, ce n'était pas un jour de la prière normale, c'était un autre jour, mais nous étions là avec les serviteurs de Dieu, on parlait un peu entre nous. La fille qui débarque, qui vient, dit que j'ai un problème. On dit, mais quel problème tu as? Aujourd'hui, j'en ai assez. Tu as assez de quoi? Elle entre, elle nous dit, vous savez, tel que je suis là, je suis certes une jeune fille. Ma mère n'est plus. Je vis avec mon père. Je me débrouille tout seul. Mais pour m'en sortir, je devais me donner à la prostitution. Mais pour que j'arrive à gagner les hommes, ce que je fais simplement, je suis allé voir un marabout qui m'a juste donné cette poutre, qui m'a donné ces rouges à lèvres. Et quand je l'applique, aucun homme ne me résiste. Amen, amen, peuple de Dieu. Aucun homme ne me résiste. Je puis m'avoir une maison, je paye beaucoup de choses. Mais cette vie dans laquelle je me retrouve, je sens que ça ne va plus. Je ne dors plus bien. J'ai tout le temps culpabilisé. Je sens que je vais perdre ma vie. Je viens pour que vous priez pour moi. Elle avait tout amené. Comme pour dire quoi? Oui, le maquillage est bien, mais le maquillage peut aussi séduire. Ça peut attirer. Ça, on doit se le savoir. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à l'équilibre. Amen, amen. N'est pas le faire au fait pour, je ne sais pas, attirer, pour séduire, mais le faire pour se sentir probablement à l'aise, pour se sentir bien, pour se sentir présentable ou propre. Voilà ce qui fait de nous la différence entre nous et peut-être le maquillage qu'une prostituée va faire. Mais il est fort dommage de constater que quand nous ouvrons les réseaux sociaux, tout ce qui nous influence, là, ce qu'il faut aller voir leur vie, ce ne sont pas des gens qui sont corrects dans leur vie. Et vous allez voir, toute personne se met à la télé pour voir comment on doit se maquiller. Et moi, je vois, il y a des coachs de maquillage là-bas. Mais allez-y voir leur vie. Et sans se rendre compte, beaucoup de nos personnes que nous connaissons se laissent influencer par cette façon de se maquiller. On va même mettre des choses qu'on ne devait peut-être même pas mettre. Mais parce que c'est de la mode. Je ne vais pas dire qu'ils sont des Jézabel. Mais parmi elles, il y a aussi des Jézabel. Alléluia. Donc soyons équilibrés dans notre façon de faire les choses. Se maquiller, c'est bien. Ce n'est pas mauvais, mais soyons équilibrés. Et lorsque ces derniers temps, on parle de make-up. Lorsqu'on parle de make-up, vous pouvez me remettre la slide, s'il vous plaît. Vous allez voir, une étude a été faite. Ce qui m'a choqué, c'est l'étude. J'ai oublié de mettre le lien de l'étude. Mais l'étude, qu'est-ce qu'elle a démontré? Que lorsqu'on regarde les proportions des femmes qui font du make-up, vous savez, la plus grande proportion des femmes qui font du make-up, sont de quelle origine? Ce sont des afros.
L'étude a démontré que lorsque vous prenez voilà, les autochtones et vous prenez ceux de l'Afrique, c'est plus les femmes de l'Afrique qui sont dans ces choses. Et il y a une faible proportion de ceux qui sont, entre guillemets, autochtones d'ici qui les font. Mais pourquoi? Voilà la question que moi je me suis posée. Mais pourquoi l'influence? Lorsqu'on parle de make-up, c'est l'ensemble des artifices utilisés pour rendre les visages plus jolis. C'est bon, il y a le mascara, il y a les fonds de teint, il y a les fossiles, il y a des poudres, il y a des fixateurs. On doit fixer. Hein? On doit fixer ce qu'on a mis. Karen va nous expliquer. On doit fixer. On a appliqué quelque chose maintenant pour que ça ne tombe pas. On doit le fixer. Maman, c'est ça ce que je dis, non? C'est ça? Hein? Hein? C'est ça? Ok. On doit fixer. Et le problème, c'est quoi? C'est que dans la grande majorité des substances qu'on utilise, il y a un problème. C'est que les substances qu'on utilise pour mettre les make-up, pour fixer, il y a des éléments qui ne sont pas, qui sont nocifs au fait à la santé. On peut prendre comme le plomb, le mercure, l'amiante. Et vous allez voir, le problème, c'est quoi? C'est que le domaine de la cosmétique, si le pays n'est pas un pays assez sérieux, on va mettre n'importe quoi parce que les gens doivent vendre. Comme le pasteur lui dit lui-même. Les gens doivent vendre, alors ils vont mettre tout ce qu'ils vont trouver. Pourquoi? Parce qu'on doit vendre. Toi, tu vas seulement acheter, je dois fixer. Il faut que ça fasse 3 jours. Ou ça fasse une journée, ça fasse 24 heures. Mais c'est que tu appliques, bien aimé, il y a des produits qui sont nocifs. Et parmi les réactions, il y en a plusieurs. Nous avons des réactions cutanées, des allergies. Les gens vont présenter des allergies. Ton visage commence à gratter tout le temps. Tu ne sais plus ce qui se passe. Tu es allé mettre des cils. Or que pour mettre les cils, il y a la colle qu'il faut coller là-bas. Un moment pour l'enlever, tu tires et l'autre, tu tires. C'est très compliqué. Amen, amen. Et puis, en appliquant tout ça aussi, parce qu'on doit fixer, on doit mettre du faux de teint, on doit mettre de la poudre, il y a quoi? Il y a obstruction des pores. Vous savez, notre peau est appelée à respirer. Permettez-moi le terme. Est appelée à respirer. Mais plus on va mettre des choses, qu'est-ce qu'on va faire? On va boucher les pores. Et notre peau ne sait pas bien respirer. Et on s'expose à beaucoup de problèmes pour rien. Et c'est comme ça que vous allez voir des personnes. Parmi une des complications de l'excès de maquillage, il y a quoi? Il y a la vieillesse prématurée. Tu as 25 ans. Le pasteur a dit, en cherchant à devenir jeune, toi tu vieillis. Tu as 25 ans, mais lorsqu'on te regarde, on ne sait plus, mais t'as quel âge en fait? C'est à force de mettre ces choses. Amen, amen. Je ne sais pas que j'attaque les sœurs, hein, mais on parle de la science. Hein? Les pasteurs blessés. Voilà. Il y a ça, il y a cette vieillesse qui est quoi? Prématurée. On peut donner les micros au pasteur. Le pasteur a dit que le pasteur reprenait ce que vous avez dit. Les championnes en maquillage, ce sont les femmes. Okay. Personne ne pourra me contredire. Regardez, quand nous réveillons le matin même pour venir au culte dimanche, qui prennent trop du temps? Ce sont des dames. Tu entres là, toi tu fais 30 minutes, tu es sorti. Papa, je n'ai pas encore mis ça. Papa, je n'ai pas encore mis ça. Comprends. Alors bien aimé, nous devons savoir que tout excès nuit. Amen, amen. Nous sommes appelés à être dans l'équilibre. Oui, je peux me maquiller. Je peux me maquiller, il y a une sortie, et on va aller à une fête, ça n'empêche pas. Mais lorsque je le fais de façon continue, je dois me rendre compte d'une chose, c'est que je m'expose à une vieillesse prématurée de mon visage. Je m'expose, bien aimé, à l'obstruction de pores. L'obstruction de pores va entraîner quoi? L'acné. Je commence à avoir des petits boutons qui sortent comme ça sans pourtant connaître quelle est la cause. Simplement pourquoi? Parce que je n'ai pas su me contenter de ce que je suis. Je voulais rajouter des choses. Et pas seulement que je rajoute des choses, c'est que je cumule des produits toxiques sur mon visage, sur mon corps. Oui, pasteur. Mais aujourd'hui, nous trouvons aussi des maquillages pour les hommes. Hein. Et on trouve de plus en plus que les hommes aussi commencent à se maquiller. Ouais. Et donc, il faudrait maintenant aussi équilibrer.
Parce que maintenant, s'il y a des hommes aujourd'hui, moi, je suis allé dans un magasin, j'ai trouvé l'aide corporelle pour hommes. Mm-hmm. Oui, l'aide corporelle, donc l'aide de beauté pour hommes. Oui. Avant, il n'y en avait pas, maintenant, il y en a. Oui, mais même il y a des maquillages pour hommes aujourd'hui. Pardon? J'étais allé chercher un lait corporel, non? Mais j'ai vu des laits corporels pour hommes et pour femmes. Donc, bien-aimé, comme l'a dit le pasteur, le monde va à une grande vitesse, donc soyons responsables. Faisons tout pour la gloire de Dieu. Au-delà de cela, il y a un élément important, c'est la dépendance psychologique. Donc, on va commencer à dépendre. On ne peut plus vivre sans cela. C'est comme si lorsque je ne me maquille pas, ça ne va pas. C'est ça le piège. On tombe dans une forme d'addiction. Si je ne suis pas maquillé, je ne peux pas sortir. Parce que je n'ai pas mis les maquillages, je ne sais pas aller voir les gens. Il faut à tout prix que je puisse me maquiller. C'est cela le piège. Amen, amen. Nous devons éviter de tomber dans cela. Au-delà de cela, parmi tous les produits qu'on a cités, que j'ai énumérés, bien aimé, il y a cette possibilité même d'aller dans une situation où on peut développer même les cancers. À cause de tous ces produits comme l'amiante, comme le plomb. Et ce n'est pas dans tous les pays du monde, dans ces lieux, bien aimés, qu'on contrôle tous ces produits-là. On ne contrôle pas tous ces produits. Les gens veulent se faire belles, ils veulent être beaux, ils veulent être présentables, mais il y a aussi des conséquences à cela. Donc, comme pour dire, frères et sœurs, soyons prudents. Amen, amen. Soyons vigilants. Je vais prendre un dernier point rapidement. Ah, Karen, tu peux poser ta question. Ah, okay. En fait, moi, je suis d'accord avec tout ce qui est dit. Mais je trouve que, je sais pas, enfin, je veux pas dire que on doit vraiment faire toutes les tendances, c'est pas ça. Mais je pense qu'on est dans une génération où le maquillage n'est plus forcément pour plaire, n'est plus forcément pour vraiment en mode, on est addict au maquillage. On est réellement dans une génération où il y a certaines personnes, c'est réellement une passion juste de maquiller. Et ça n'a pas pour but de séduire, ça n'a pas pour but de se mettre un masque, quoi, de changer de visage ou quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai retenu ma question, parce que plus vous étiez en train d'avancer, plus je me trouvais que ce qui était dit était correct. Mais je trouve qu'il y a parfois des personnes qui sont trop à l'extrême, genre, en mode, un petit maquillage, oh, c'est trop. Moi, je trouve, enfin, je sais pas, on est en 2023, genre les cils. En quoi c'est mal de mettre des faux cils? On donne les micros à Maman Bibi. Maman Bibi veut réagir. Mais alors, les personnes qui mettent des faux ongles ne mettaient pas les faux ongles, les mèches qu'on arrête aussi? Non. Quand déjà tu appelles ça faux, pourquoi on va continuer? Mais c'est toi qui les appelles. Est-ce que c'est moi qui appelais? Tu as dit faux cils, faux ongles. Tu es dans ce que tu défends. Mais on le sait très bien qu'au départ, quand on est naturel, c'est mieux. La question en fait, moi, je connais quelqu'un qui a une fille qui a perdu son nez à cause de faux cils. Ouais. Comprenez, quand on cherche toujours à coller, à décoller, coller, décoller, il a perdu son œil. Le pasteur, oui. Oui, moi, la question que. La suggestion, au fait, comme nous l'avons dit, quelle est la motivation pour laquelle nous faisons cela? Il faudrait d'abord qu'on se pose cette question-là. Ça, c'est de un. De deux, c'est aussi. J'ai beaucoup aimé à l'époque, quand nous nous sommes convertis, j'avais lu un livre, Que ferait Jésus à ma place? C'est-à-dire, il y a des choses. Moi, j'aime beaucoup m'habiller. Je le dis, je n'ai pas honte de le dire. Mais quand je vais pour acheter un habit, même si c'est quelque chose qui me plaît, je regarde toujours ce qui est écrit dessus, ce que ça présente. Je ne vais pas me balader avec une tête de mort parce que c'est à la mode. Avec, non. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons, derrière ce que nous faisons, sachez qu'il y a toujours un message subliminal qui passe, vouloir ou pas. Vous pouvez porter quelque chose, c'est pour ça même souvent on déconseille aux gens qui se tiennent du haut de la chaire de porter des habits avec des inscriptions.
Parce que ça, quelquefois, la personne est focalisée sur ce qui est écrit. Il y a toujours un message qui est caché derrière. N'oubliez jamais ça. Et quand nous faisons, que vous portez les cils ou les vrais ou les faux cils, ça dépend, que vous mettez des ongles, vous devez connaître quel est le but, pourquoi vous le faites. Mais puis le frère Rémi a dit une chose importante. Moi, j'ai discuté avec une personne qui était estomaquée. Sa femme est allée acheter des make-up de 400 euros à Black Friday. Elle rentre avec et dit, mais pourquoi tu n'es pas allée à Abricot acheter une tronçonneuse? Parce que moi, j'ai envie de faire quelque chose. Et ça l'avait estomaquée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui deviennent esclaves, addicts de ces choses. En suivant les réseaux sociaux, tout ça, on devient addict. On ne peut plus sortir sans maquillage. Si je n'ai pas de faux ongles, je n'ai pas de faux cils, je ne viens pas à l'église. Parce que, mais non, je suivais aujourd'hui une chanteuse qui est connue, je ne vais pas citer, dans leur R&B, on dit, elle ne sait pas aller en Afrique. Parce que 95% de son corps, c'est la chirurgie plastique. Donc si elle va en Afrique avec la chaleur, elle risque d'exploser. Vous voyez? En fait, on devient esclave sans le vouloir. Vous pouvez le mettre, mais il faudrait pas aussi que ça soit à l'excès. Vous venez vraiment, c'est comme si nous sommes dans une pièce qui est sombre, vous éclairez. Donc, je pense que tout doit être sujet d'être modéré. Donc je pense que Keren, moi je te verrai avec des faux cils, des faux ongles, je ne te dirai rien. Mais je pense que toi-même, à un moment donné, il faudra aussi savoir pourquoi je les mets. Est-ce que je dois les mettre toutefois? Où je dois les mettre circonstanciellement. Surtout vous qui vous tenez du haut de la chair, il ne faut pas nous séduire. Voilà, c'est ça. Pasteur, il y a une réflexion qui vient de me passer par la tête. Dans ces pays, j'ai trouvé dans les magasins, surtout dans les alimentations, on a dit bio. Mm. Ce qui est bio. Et l'autre là, c'est quoi? Ce sont les OGM. Et vous verrez que le prix de bio... Le bio est plus cher que les OGM. Comment expliquer que vous êtes bio? Vous voulez devenir OGM? C'est grave. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est grave. Et vous verrez que les gens sont en train de chercher à acheter les bio. Au départ, c'est vous qui avez encore fabriqué même ce qui est artificiel. C'est contradictoire. Entre la femme qui est naturelle et la femme qui est artificielle, le choix est clair. Ok. Le goût, le cœur. Merci. Alors, je vais juste te donner trois mots. On va commencer les jeûnes la semaine prochaine. Nous avons des types de jeûnes. Si nous prenons Matthieu 6, 16, 18, on n'a peut-être pas le temps. Il y a des jeûnes qui sont complets, il y a des jeûnes qui sont incomplets. Et la parole de Dieu, lorsque vous prenez Luc chapitre 4, vous prenez Matthieu 6, 16, 18, nous en démontre. Et le jeûne est important, au niveau physiologique aussi. Amen, amen. Au-delà de nous rapprocher de Dieu, mais au niveau de notre ossature, au niveau de notre personnalité, au niveau de notre corps, le jeûne aussi a beaucoup de choses à apporter. Donc, comme pour dire, lorsque nous faisons le jeûne, certes, nous approchons de Dieu, mais sachons aussi par rapport à notre corps, le jeûne nous permet aussi de réguler beaucoup de choses. Amen, amen. Donc nous devons savoir ces choses. Peut-être le temps nous manquerait, je peux citer rapidement. Voilà, avec le jeûne, des fois, voilà, les personnes qui ont peut-être des problèmes de poids peuvent arriver à perdre leur poids pendant qu'on fait le jeûne. Et au-delà de cela, le jeûne aussi a un effet anti-inflammatoire au niveau de notre organisme. Alors il y a beaucoup d'éléments. Au-delà de cela, le jeûne permet à notre système digestif d'être au repos. Vous voyez, parce que lorsque souvent nous mangeons, notre système digestif travaille plus. Mais lorsque nous sommes dans le jeûne, elle permet au système digestif d'être au repos. Pas seulement cela, mais elle permet aussi à notre corps d'éliminer beaucoup de toxines. C'est-à-dire parce que le corps ne va plus trop se concentrer sur les métabolismes de base qui va trait à la digestion. Il va aller pour essayer de filtrer, de détoxiquer beaucoup d'autres choses dans notre corps. Vous voyez, alors c'est important. Mais il est important de faire, si on veut faire les jeûnes complets, il faut le faire en prenant quelque chose. C'est comme ça qu'on dit, on prend de l'eau, prendre des bouillons, tout ce que vous voulez. Et je crois qu'on aura des temps de jeûne où on aura de l'eau, on aura des bouillons, les légumes, tout ce que vous voulez. Donc il est important de faire le jeûne bien aimé.
Alors nous devons toujours savoir que le jeûne, pourquoi c'est important? Parce qu'au départ, le corps va utiliser le glycogène, c'est-à-dire la matière que nous avons en réserve au niveau de notre foie. Mais quand on va plus pousser avec le jeûne, il va commencer à utiliser la graisse. Ok, vous savez tous les complications que nous avons à la graisse. Tous les problèmes que nous avons, l'athérosclérose, les problèmes d'hypertension, c'est aussi impacté par la graisse. Vous voyez? Alors le corps, plus on va jeûner, va aller prendre la graisse et va l'utiliser en fait comme élément, voilà, pour faire fonctionner notre système organique. Alors nous devons aussi savoir une chose, ça j'ai beaucoup aimé, c'est que pendant les jeûnes, par moment nous pouvons avoir la mauvaise haleine. Ça, il est important de les signaler. Alors j'ai beaucoup aimé un passage, je ne sais pas si je veux retrouver ce passage, où le Seigneur dit quand tu jeûnes, voilà, lave-toi le visage, ça doit être Luc chapitre 4. Donnez-nous Luc chapitre 4, on va finir par là. 1 à 2, je pense que ça doit être ce passage, si je ne m'entends pas. Luc chapitre 4, voilà, on peut avoir la mauvaise haleine. Pourquoi? Parce qu'à force de produire, à force d'utiliser les graisses, il y a la cétone, en fait, qui est vraiment plus produit. Il y a des dépôts au niveau de la langue, hein, de certaines bactéries. Et lorsque nous parlons, vous allez voir, il y a la mauvaise haleine. Voilà pourquoi lorsque nous sommes dans le jeûne, nous devons vraiment boire. Il faut suffisamment boire. Amen, amen. C'est important. Il faut suffisamment boire pour casser cela. Luc chapitre 4, si vous m'avez trouvé. 1 à 2, je crois que ça. Voilà. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Parfume ta tête et lave ton visage. Pourquoi? Parce que si lorsqu'on fait les jeûnes, il y a la mauvaise odeur. On dégage. Pourquoi? Parce qu'en fait, le corps, parce qu'il doit éliminer les toxines, il va vraiment les éliminer. Et plus il va les éliminer, et au niveau de notre peau, par la sueur et la transpiration, nous avons des bactéries mélangées à tout cela, ça va faire qu'on puisse dégager des mauvaises odeurs. Et vous avez vu, la Bible est tellement ça, Dieu est tellement omniscient qu'il a même dit « parfume-toi ». Amen, amen. Donc, il est important aussi de savoir ces choses. Parce qu'on sera ensemble en train de prier. Voilà. Il faut connaître ces choses-là. Amen, amen. Oui, pasteur. Vous n'avez pas aussi abordé les gènes du corps. Je pense que ça fait aussi partie de... La conquête. Oui. Oui, comment bâtir son corps. Parce que moi, j'aimerais que vous puissiez en parler. Parce qu'il y a quelquefois aussi de nos bien-aimés, comment entretenir son corps. Ça, c'est du point de vue, mais c'est même du point de vue extérieur. On a parlé. Si vous pouvez aussi, les fois prochaines, vous en parler, ça nous aidera vraiment beaucoup. Merci, pasteur. Il nous reste encore deux séances. Deux séances. On va toucher tout le point. Gloire à Dieu. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Il y avait quelque... Oui, moi j'ai une question. Ouais. Et puis, excusez-moi. On a parlé de l'addiction de l'alcool, mais vous n'avez pas parlé de l'addiction du sucre, des sucreries. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas d'alcool, mais côté boisson gazeuse, côté sucrerie, côté tout ça, les friandises, ouais. Ils sont très friands, ils sont aussi addicts. Oui, peut-être aussi parler, peut-être prochainement. Oui. On va parler de ça, pasteur. C'est dans le cadre, on va parler de l'alimentation équilibrée. Et là, vraiment, il y a ce côté-là. Parce que par moment, nous mangeons, quand nous prenons notre assiette, si vous voulez faire diviser l'assiette en quatre, comme un cadran, comme ça et comme ça, qu'est-ce qui domine dans notre assiette? La viande. Voilà. Donc, un simple fait. Hein. Bon, déjà, lorsqu'on va finir les jeûnes, n'allez pas finir les jeûnes avec une grosse boule de foufou. Il faut éviter ça déjà. Quand on va finir les jeûnes, il faut vraiment aller mollo. C'est-à-dire que vraiment partir à des diètes, aller avec des fruits, des légumes et voilà, aller progressivement. On va parler de ça d'une assiette équilibrée. Parce que lorsque même on aura une autre assiette, c'est vraiment déséquilibré. Si chacun peut prendre la photo de son assiette quand on aura cette séance, on va en parler. On verra que vraiment notre assiette est très équilibrée. Soit on a quatre grosses boules de semoule et de l'autre côté on a, voilà. Je crois que c'était la dernière.